Salut tout le monde, c'est Marie Chou, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Gaming Brawl Stars d'aujourd'hui les gars. Aujourd'hui les gars, on va découvrir la nouvelle mise à jour les gars. J'ai vu qu'il y a une nouvelle mise à jour, voilà, bonne nouvelle, une nouvelle mise à jour de Brawl Stars est maintenant disponible. Voilà, on va directement la découvrir. Déjà on va la faire la mise à jour avant de la découvrir. Ouais, comme vous savez, comme d'habitude, pour pouvoir faire la mise à jour, comme il y a le bug, on est obligé de retaper le jeu. Et après mettre à jour, car sinon après ça m'est joué au lieu de d'afficher l'opportunité de mettre à jour. Je sais pas si vous avez compris. Voilà, on attend que ça charge et on se retrouve quand ça aura terminé de charger. Allez, plus que 50%. Voilà, ça a bientôt fini, plus que 10%. Je voulais juste en profiter pour vous dire que j'ai vu les vidéos en avant-première sur Axael, Gaël de Toulon. Et il y a eu deux nouveaux brawlers qui sont sortis. J'ai vu le Brawl Talk, je l'ai pas fait en vidéo, mais je l'ai vu juste après. Et il y a eu deux nouveaux brawlers qui sont sortis. Apparemment, ils sont super. D'ailleurs, notamment un qui est extrêmement cheaté, je crois. Il met des coups de pied. Je sais plus comment il s'appelle, mais apparemment il fait des très très bons dégâts, et je crois que même de loin il lance sa chaussure, ce qui fait que sa portée aussi est très longue, et il a des longs points de vie, il a beaucoup de points de vie, donc ouais, je pense que ça va être un brawler très fort les gars, un futur brawler très très fort. Allez là, faut que ça finisse de charger là pour qu'on puisse jouer. Allez, directement on clique sur jouer et on va voir ce que ça nous donne déjà le menu. Moi je veux voir le menu, ce que ça donne. Allez, 3, 2, 1, on va voir. Ah ouais, ça tue. Ouais, c'est pas mal, le petit bar tabac, le petit brawler là qui saute en l'air, qui met un coup de pied dans El Costo Tigre. Ah ouais. Oula, ça prend du temps avant de charger, ça prend du temps, je sais pas pourquoi. Oh, non, en vrai, ça tue bien. Ah ouais, fond de Noël, ah ouais, ça fait grave dans le thème Noël. C'est grave trop dans le thème de Noël. Les petites bougies, les petits flocons qui tombent avec les petits effets et les petits sapins dans le fond. Un fond bleu. Ouais, c'est pas mal, et la musique. Ouais, on l'avait déjà eu, mais elle est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On va notamment d'ailleurs avoir le défi bientôt, le défi les gars, défi Master League, qu'on va faire en vidéo les gars, vous inquiétez pas. C'est 9 matchs, voilà, 9 matchs, et on récupère une méga boîte, quand si on réussit le défi, on récupère une méga boîte, et on joue avec nos amis, et on a 72 heures pour jouer. C'est dans un jour, donc c'est pas mal, et puis voilà, je récupère un peu tout ça, voilà, et puis moi de mon côté je vais faire des games. Oh ouais, il y a le nouveau mode duel. Attends mais les gars, est-ce qu'on se le testerait pas? Est-ce qu'on se le testerait pas? La victoire ou la mort? Alors, vous inquiétez pas les gars, si je relis, vous pouvez avancer dans la vidéo si jamais ça vous embête. Mais je regarde juste. Assembler une équipe de 3 brawlers pour affronter une équipe adversaire en duel éliminatoire chaque round et d'un combat en 1v1. C'est marqué 1v1 au lieu de 1v1, mais qu'est-ce qu'il me parle? 1v1. Et se termine lorsqu'un brawler est vaincu. Gagner 3 rounds pour remporter le match. Pour mettre toutes les chances de votre côté, sélectionnez une équipe efficace de brawlers dans le bon ordre. Et ça, c'est quoi, ça? Chaque brawler perd 1 sur 3 des trophées qu'il aurait perdu lors d'un match normal. Ça veut dire qu'on fait moins 1 trophée. Attends, match perdu. Chaque brawler gagne 1 sur 3 des trophées qu'il aurait gagné lors d'un match normal. Si la somme est inférieure au plus petit nombre de... Ah merde, si au plus petit nombre de trophées qu'obtiendrait un brawler individuel, la différence est attribuée aléatoirement entre tous les brawlers. Ok, c'est pas mal. En gros, ça veut dire que sur... Ouais, mais ça veut dire que si on gagne un match, on va faire plus de, mais moins... Enfin bref. Allez, tu sais quoi, on arrête de parler, on va essayer de regarder... Ouais. Ah oui, j'ai oublié que j'étais dans une équipe, je suis con. Ah ouais, donc du coup, le duel va se faire en équipe avec les poteaux... qui sont là. J'ai oublié que j'étais avec des poteaux, je sais pas, je zappais. Ouh, les 100 points de pouvoir gratuits. Alors, attendez, je récupère quand même un peu les récompenses. Le petit code Gaël, voilà, le petit code Gaël, voilà. Les gars, vous savez quoi? Attends, ah merde, ouais, non, il n'y a plus... J'ai rien dit. Allez, où est-ce? À qui on va les mettre, les 100, là? À qui on va les mettre? Pas de gens, c'est bien, hein, comme ça, il est pouvoir à 10. Voilà, comme ça, il est pouvoir 10, on va dire. Attendez, les gars, je viens de comprendre quelque chose. Quand je clique dessus... Attendez, mais c'est quoi, ça? Ah, j'ai compris, les gars. Attends, je viens de comprendre.
quand je clique sur duel, il y a des mecs à côté. C'est pas des mecs, c'est pas des amis en gros, c'est mon profil. Ça veut dire que... Ah ouais! En gros, je peux choisir les brawlers, ça veut dire... Hop, ici, le troisième, si je veux, je peux prendre Brock. Pour le premier, je peux prendre... Je sais pas, j'ai vraiment un exemple débile. Et pour lui... Ah ouais, on peut prendre par exemple Shelly. Mais c'est une tuerie, les gars. Bon, les gars, je suis sincèrement désolé. J'aimerais bien tester ce mode, les gars, en vidéo. Enfin, vous savez quoi, on va le faire, mais pas sur le compte principal, parce que vous, comme vous savez, les gars, si je perds, vous savez, moins combien de trophées je vais faire, j'ai pas envie de trop perdre de trophées, on va faire ça sur un des petits comptes. On se retrouve après, on va tester un petit peu ce mode duel sur des petits comptes, et après, bah voilà, les gars, ce sera la fin de la vidéo. Le but de la vidéo est juste que je découvre la mise à jour, c'est tout, voilà. Mais on va quand même, comme bonus, découvrir le mode duel. On se retrouve sur le compte 2.0 et on va le tester directement, les gars. Ah ouais, il y a une nouvelle présentation ? Ça fait bizarre. Et en gros, à chaque fois, ils affichent la map. Ah ouais. Mais écoutez, les gars, on va se tester ça pour le fun. On va se choisir les petits brawlers. Et puis, on va tout simplement après... voilà, c'est se lancer une game pour tester ça en vidéo. Les gars, je sais que ça vous fait plaisir, donc je le fais. Il y a moyen que le Daryl, on le mette pouvoir 7. Non. Pour dire, les gars, on est sur le compte 2.0. Je joue pas souvent ce soir. Jean, c'est quoi, aujourd'hui, on se fait plaisir. Voilà, aujourd'hui, tout est gratuit, MDR. La parole que je dis souvent pour rigoler. Rien n'est gratuit dans Brawl Stars. On est obligé de payer tout. Allez, on va choisir un petit peu les petits brawlers, voilà, par-ci, par-là. Alors, pour le premier brawler, alors, je regarde juste un peu la map. Déjà, je pense qu'il y aura peut-être besoin d'un bar tabac. Apparemment, ça, c'est pas des murs, donc ça, ce sera pas bon. Il faudra peut-être un Colt. Donc, pour le Colt, c'est bon. Il faudra peut-être un petit dynamite. Attends, pour le deuxième brawler, il faudra peut-être un petit dynamite. Attends, je regarde la map. Faudra peut-être un petit dynamite. Est-ce que ça c'est un mur ou c'est des barrières en fait? Est-ce que ça... je sais pas pour tout, je sais pas. Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre... Pour le deuxième on va prendre un petit Brock, voilà. Et pour le bully, on va s'y prendre une petite bille. Voilà, ça fait plaisir ça. Allez, c'est pas mal. C'est parti, on teste. Et voilà, go se faire plaisir les gars, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là c'est un 1v1, ça veut dire qu'on joue avec un mec, voilà. Ah ouais, mode arcade. Ouais, je vais me faire éclater. Allez, boum. On a gagné, lui il va devoir changer de brawler et moi je garde le même. Imaginez, je le fume et je garde le même brawler pendant que lui il aura dû utiliser le 3 et moi je gagne les 3. Comment? Oh mais le mec il prend bar tabac. Je suis avec des mecs nuls ou c'est quoi là? Ou c'est comment? Voilà, parfait. Allez, on est trop chaud. Là, il en est à son troisième brawler pendant que moi, je suis toujours à mon premier. C'est quoi ça, Zdeuf? Oh là 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 là, j'ai failli me faire buter. Eh bien, écoutez, on a gagné. Là, franchement, la gamme, elle était donnée. Hein. La gamme, elle était donnée. Donc là, ah oui, j'ai capté, les gars. On fait +3, +3, +2. Pourquoi on fait +2? C'est quoi ça, Zdeuf? Donc là, chacun, on a fait +3. Ah ouais, ça fait bizarre ce mode de jeu. Venez, on en refait un juste pour le fun, les gars. Vous savez quoi, on en refait un juste pour le fun? Sauf à la place de... Pourquoi ça m'a encore changé de brawler, là? C'est quoi ça, Zdeuf? Là, pour le fun, on va prendre Dynamite, car j'adore jouer Dynamite. On va garder Brock, et pour lui, on va garder Colt, voilà, tout simplement. On va essayer, là, parce que c'est... Là, la game, elle a pas duré longtemps, là. Je l'ai niqué, le mec, mais c'est normal, peut-être qu'il jouait pas très bien. Là, on va essayer, là, pour une fois, d'essayer de gagner, là. On va essayer de faire du taf. Alors, déjà, on est avec un mec, peut-être, qui joue un peu mieux, je ne sais pas. Merde. Là, j'essaye de pré-shot, mais c'est pas facile. Au moins, ça permet de charger l'ult. Ouh, il m'a touché. Il m'a touché une fois. Hop. Et non. De la part du joueur français. Une deuxième fois.
Et non, poteau, je l'ai auto-shot. Allez, j'ai gagné. Allez, deuxième manche, le poteau qui va prendre un nouveau brawler. Allez, je me cache dans le buisson comme ça, je lui... Il a quoi, là? Il a Jackie, c'est ça? Oh non! Le petit logo Wi-Fi qui fait sa dédicace. MDR, je fais comme Gaël. Il était ici, de... Oh bah là, je vais le défoncer, là, c'est sûr. Hein. Ça Jackie est son boule, hein. Là, il a des tanks, donc là, c'est mort. Hein. J'aurais peut-être pas dû gratter mon ult. Alors, là, je vise pas très bien. Peut-être, voilà. Ah, merde, il a l'ulti, ah, merde! Ah bah, il m'a tué, là, oui, là, c'est mort, là. GG à lui, un grand GG à lui. Là, avec Colt, ça va pas rigoler. Là, je crois que j'ai mal joué. Avec Brock, j'aurais pu faire du meilleur taf, les gars. Faudrait que je joue un peu mieux, je sais pas. Je suis pas très concentré quand je suis en vidéo. Franchement, les gars, c'est pas une excuse, hein. Ah, mais pourquoi j'ai pris ce gadget? Ah, j'ai du mal à le toucher. Il esquive bien, le mec, hein. Il esquive bien. Et non. Dans ta gueule, boum. Allez, ça fait plaisir, là on est sur un égalité. Ah non, non, parce que moi il me reste deux brawlers et lui il reste son boule. Ah voilà, désolé poteau, mais tu vas signer ton arrêt de mort car je vais te défoncer. Mais il esquive bien le mec. Hein. Arrête, sinon je te auto-shot. C'est simple. Hein. Allez, boum, je l'ai ulti sa mère. Non, allez, j'arrête de dire des bêtises. Je l'ai ulti. Allez, ça fait plaisir. Eh bien, écoutez, les gars, ce mode est vraiment pas mal, les gars. C'est bien. Là, je pourrais dire que j'ai découvert la nouvelle mise à jour plus le mode duel. Bon, écoutez, les gars, dites-moi un peu dans les commentaires si vous avez aimé cette petite vidéo, les gars, où je teste ce petit mode duel. Ce nouveau mode duel, d'ailleurs. Et cette nouvelle mise à jour, voilà, qui est plutôt pas mal, mine de rien. Voilà, Noël, et puis il y a Noël qui va arriver, il va y avoir plein de surprises, j'en suis sûr, plein de nouvelles choses. Voilà, dites-moi si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher le petit like, ça mange pas de pain, partagez la vidéo, voilà, c'est comme vous voulez. Et abonnez-vous à la chaîne, franchement, s'il vous plaît, les gars, abonnez-vous à la chaîne. On n'est plus que 6, et ça se trouve, à l'heure où je tourne cette vidéo, on n'est plus que 2 ou que 1, ou ça se trouve, on a déjà eu les 200. Faut vraiment qu'on ait les 200 abonnés, les gars. Ce serait un de mes plus beaux cadeaux de Noël de votre part. Ce serait vraiment un des plus beaux cadeaux de Noël de votre part si vous vous abonniez et que vous m'offriez les 200. Car c'est grâce à vous que j'ai les 200. Vous comprenez les gars? Faut vraiment que j'ai les 200 abonnés. Ça me ferait trop plaisir. Ce serait comme un cadeau de Noël. Voilà les gars, je le dis comme ça. Sur ce les gars, je vous souhaite de bonnes vacances, un joyeux Noël, une bonne nouvelle année, une bonne santé, etc. De toute façon, il y aura d'autres vidéos IRL qui sortiront. Donc voilà, sur ce, bonne continuation les gars. Sur ce les gars, bye bye.